Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, ici Unicorn ici aujourd'hui. Je vous emmène en séance d'équitation avec moi. Enfin, cette séance d'équitation a eu lieu il y a un petit moment, mais avec le travail, j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant pour vous faire la vidéo. Mais ça y est, je vais enfin vous sortir le débrief de ma pire séance d'équitation. Enfin, je sais pas si sur mes 15 dernières années d'équitation, c'est objectivement la pire, mais en tout cas, c'était la pire depuis un long moment. En effet, c'était ma première semaine de travail, donc j'étais exténuée et surtout c'était galère pour continuer à monter avec les copines de mon cours puisque le cours est à 18h30 et qu'il faut donc que je sois au club à 18h, sauf qu'en finissant le travail à 17h30 et en ayant une heure de route, vous comprenez que ça coince. J'ai donc demandé aux copines si elles pouvaient préparer le cheval que je montais, chose qu'elles ont fait avec plaisir. Mais du coup, sur la route, il y avait des bouchons, donc j'avais peur d'être en retard, je suis arrivée au club super stressée. J'ai pas du tout pu m'occuper du cheval avant la séance, chose qui est très importante pour moi, puisque c'est à ce moment-là justement qu'on fait un petit peu connaissance avec la monture et qu'on se lie avec elle. Et là, du coup, bah, mes copines l'ont préparé à ma place. J'avais qu'à prendre les rênes et à partir pour le cours. Donc voilà, je suis arrivée énervée, j'avais pas forcément de lien construit avec le cheval. Et en plus, j'étais exténuée, donc voilà, on a des bonnes bases pour une... pas une bonne séance du coup. Et il faut savoir aussi que Sissi, elle est pas forcément très simple à l'obstacle. Sur les petites hauteurs, il n'y a pas de problème, elle va aller de l'autre côté. Sauf que dès que les barres, elles montent un peu, elle a besoin qu'on soit là à 200% pour qu'elle aille de l'autre côté. Et problème, bah déjà de base, moi dès que les barres montent un peu, je suis un peu moins chaud aussi. Mais surtout là, j'étais vraiment au bout de ma vie à cette séance, donc vous allez voir, ça va faire refus sur refus. Mais bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. En tout cas, suite à cette séance plutôt catastrophique, j'ai pris le choix, en attendant d'avoir du télétravail, de monter dans le cours d'après, qui est un cours adulte uniquement dressage, donc c'est des galops 6-7 à peu près, histoire de quand même pouvoir monter le jeudi, mais que ça aille un peu mieux avec mes horaires. Et ça y est, entre-temps, depuis cette séance, voilà, il s'est passé un peu de temps depuis que cette vidéo a été tournée, depuis j'ai eu mon premier jour de télétravail, donc ça y est, je peux enfin remonter avec mes copines et je suis trop contente. Une fois la détente finie, on va venir passer les premiers obstacles. Donc on commence par une ligne plutôt simple pour compter les foulées et voir un petit peu la cadence qu'on va avoir pendant le parcours. Et rien que d'aller droit avec Sissi, c'est compliqué. Comme vous voyez, la ligne droite est poussi-pousse à droite. Bref, au niveau du coup des foulées, on est en 6 foulées. Là j'essaye de la mettre en 5, mais ça passe moyen et je me prends un petit peu un taxi. Bon, sur cette hauteur là c'est pas flagrant, mais du coup on a dit ouais non, on va quand même rester en 6. Et on va le refaire de l'autre sens pour confirmer. Donc venez, on va compter les foulées ensemble. Donc au-dessus de l'obstacle, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, voilà, 6 foulées. Et maintenant vous savez comment compter des foulées. Et du coup c'est parti pour le premier bout de parcours. Donc le parcours c'est des lignes courbes et du coup on commence par la première ligne courbe. Bon là j'y arrive un peu doucement mais c'est pas grave, hop, verticale, ligne courbe et bah je sais pas trop pourquoi elle a ralenti. Bon, on se fâche un peu et bah on y retourne hein. Mais vraiment, je vous jure, j'étais exténuée ce jour-là. Du coup, monter un poney qui a besoin qu'on soit là à 200%, c'était galère. Bon, elle a bien fait l'auxerre après, donc c'est parti, on y retourne. En rajoutant, du coup, l'autre ligne courbe. Et ouais, bon déjà, je me suis pris un taxi, hein. On change pas une équipe qui gagne, moi et les taxis, voilà, grande histoire d'amour.
Et du coup, l'autre ligne courbe, bon, le vertical se passe plutôt bien. Par contre, ouais, niveau direction, hop, 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 le poney passe à côté. Bon, bah, du coup, demi-tour toute, et on va la remettre devant pour lui dire, écoute, j'aimerais quand même que tu passes plutôt là qu'à côté. On y retourne, une fois de plus. Et ce n'est pas la dernière fois, je vous spoil. Du coup, on met un peu plus de galop. On aborde le vertical. Hop, ligne courbe. Je me suis un peu fait secouer et... Eh ben non, c'est pas passé. On y retourne une troisième fois. L'abord sur le vertical était un petit peu hasardeux et non, toujours pas. Allez, la quatrième fois c'est la bonne. On croise les doigts. Bon, moi je sais. Hein. Est-ce que je passe pas? Et oui, ça passe. Parce que l'auxerre est plus bas. Du coup, la coach a enlevé la deuxième barre et moi ça me rassurait un peu plus. Du coup, j'étais un peu plus motivée pour aller de l'autre côté. Bon, on refait du coup pour confirmer. Cette fois-ci, du coup, avec l'auxerre qui est remis comme il était, et bah non, ça ne passe plus. Voilà. Vraiment, je suis fâchée avec cet obstacle. Après, j'étais pas la seule du cours, vraiment, on a toutes fait au moins un refus dessus. Allez, du coup, c'est parti pour le parcours entier. Pousse-toi, Estelle, t'étais dans ma trajectoire, désolée. Hop, l'auxerre là qui passe du coup bien. Petite courbe, on essaye de remettre en avant, poney pas content, du coup poney met un coup de cul. L'abord sur le vertical, absolument dégueulasse, désolé poney, et hop, on se balade. Du coup, on refait cette partie-là du parcours. Je crois que la coach, elle a rebaissé l'obstacle à ce coup-là. Bon, attendez, on va voir en passant. L'abord du vertical, encore une fois catastrophique, carrément je repioche mes rênes dans le tracé. Ouais, voilà, du coup ça passe... vu que la barre était plus basse. Et là, on rajoute encore une dernière partie, la ligne. Mais par contre, vu que je l'ai démolie dans l'autre sens, bah, c'est juste une barre au sol dans ce sens-là. Voilà, c'était pas glorieux comme cours. Je risque probablement de me faire incendier dans les commentaires parce que j'ai très mal monté, je suis désolée, j'en suis consciente. Mais je trouve ça important aussi de vous partager les mauvaises séances et justement de vous expliquer aussi peut-être le pourquoi du comment. Parce que oui, des fois, la vie fait qu'on n'est pas en forme comme d'habitude, et du coup ça se passe pas aussi bien que d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Mouah.